Donc là, vous avez les presets et vous pouvez donc changer ici. Donc là, vous avez tous les presets. Sinon, vous pouvez venir dans presets. Je crois qu'il n'y a rien. Mais voilà. Ici, donc. Et après, vous choisissez votre preset. Donc là, le pitch, plus vous allez en bas, et plus ça sera grave. Donc si on met un 24 par exemple. Et plus vous allez en haut, et plus ça sera aigu. Donc le level, plus vous allez à droite, et plus ça sera fort. Plus vous allez à gauche, et plus l'oscillateur sera... on n'entend plus là du coup. On va le remettre un peu. Le pan, donc, si vous mettez à droite, le son sera plus à droite dans l'oscillateur. Et plus à gauche dans l'oscillateur, vraiment dans cette partie. Donc le délai, ça permet de décaler la note, comme vous pourrez le voir sur le graphique ici. Hop. Donc si on le met plus à gauche, la note arrivera plus vite. Donc là, je vais appuyer. Tac. Et si on met à droite, un peu plus à droite, ça mettra plus de temps. Donc la tac, c'est la pente du son, donc vous allez voir sur le graphique ici. Tac. Hop. Ici, vous avez plus de pente, donc le son ira moins vite, donc jusqu'à son pic. Donc si j'appuie sur le son, alors que si je l'enlève, ça sera direct. Donc le hold, ça sera la longueur de la note, vous allez voir sur ce graphique là. Donc hop, ici, elle sera plus ou moins longue. Et après, si je le diminue, tac. Donc le decay, c'est un peu la longueur de la note vers la fin, vous allez voir sur ce graphique là. Donc ici, vous pouvez mettre plus ou moins de temps. Et donc si je ne mets pas de decay, c'est plus court et ça sera droit. Donc le sustain, c'est la pente du son. Donc faut mettre un petit peu de decay. Comme ça, vous avez une petite pente. Et là, le sustain, ça permet de, comme vous pouvez le voir, de plus ou moins, ici, là, de faire bouger. Et que la note fasse tung ou une petite légère pente. Donc, tac. Donc ici, ça aura plus de pente alors qu'ici, il n'y aura pas de pente. Donc si je joue comme ça, hop, et si je mets du sustain. Donc le release, c'est la pente, donc si je mets un petit peu de sustain, ici, donc c'est la petite pente vers la fin du son. Tac, si j'en mets pas, en fait c'est quand je relâche le bouton, tac, ici en fait c'est un peu de la réverbération. Là vous allez dans effect, et donc là vous avez plein d'effets. Donc vous pouvez mettre du delay, du chorus, pour filtrer, du flanger, enfin c'est vraiment vraiment très complet.